One Love. Tu vois, quand j'étais petit, il y avait une pub qui disait avec la SNCF, tout est possible. Mais bah ouais, car c'est carrément ça, tout est possible. Ouais, excusez-moi, j'ai fait sécher du linge là parce qu'il pleuvait, donc je ne l'ai pas mis dehors. Mais bon, voilà. Donc, tu vois, aujourd'hui, je devais ramener le fiston à... Je devais prendre le train à Miramas, donc. Miramas, c'est là où habite sa maman et là où il va à l'école. Parce que je l'avais ce week-end. Et donc, c'est quoi, moi, je... Voilà, donc on part, on va pour 16h08, le train à Nîmes. Moi, j'ai un peu le nez bouché, c'est pour ça que mes N ressemblent à des D et mes M ressemblent à des B. Ouais, donc, on prend le train à Nîmes, 16h08. On était censé arriver à Miramas à 16h59. Et le truc... C'est que, donc le train, il part de Nîmes, il descend d'abord la gare Nîmes TGV Pont-du-Gard, c'est à une vingtaine de bornes quoi. Après il descend plus bas, c'est Beaucaire, Tarascon, Arles, Saint-Martin-de-Croix, et enfin, Miramas, tu vois. Et le truc, c'est que quand le train il rentre dans Arles, t'as le contrôleur qui parle dans le micro et qui dit oui, et aux voyageurs, je sais pas quoi. Et il dit comme quoi le train s'arrête. Enfin, le train va marquer un arrêt d'une heure à Arles. Alors moi, ça m'arrangeait pas. Parce que le train était censé arriver donc à Miramas à 16h59, je le ramenais chez sa maman, ça prend 3 minutes, tu vois. Et après, j'avais un train vers 17h30. Et j'étais censé être rentré 40 minutes plus tard à Nîmes. Donc, comme le train marque un arrêt d'une heure, je descends. Il y a le contrôleur qui... Il y a un contrôleur qui passe, tu vois, je lui demande... Je vais lui expliquer la situation, quoi, que j'ai besoin de rentrer chez moi après. Le mec, il me calcule même pas, quoi. En plus, je l'ai dit fort, j'ai dit, oh, il me calcule même pas, le mec. Tu vois le truc. Et ça m'a saoulé, j'ai été voir les horaires sur l'écran, sur le quai. Et j'ai vu qu'il y avait un train pour retourner vers Nîmes à 17h09. Alors je me suis dit, ouais, ça se trouve, je vais rentrer à Nîmes parce que j'ai peur de ne pas pouvoir rentrer. J'ai pas envie de galérer à Miramas toute la nuit. Moi, je connais personne là-bas, tu vois. À part la mère de mon fils, mais bon, elle a sa vie, quoi, tu vois. Et donc, je croise un autre contrôleur plus conciliant. Le gars, il m'explique que le train qui s'est arrêté, qu'il va donc Saint-Martin-de-Croix, Miramas, Marseille, et qu'après c'est le même train qui revient, qui refait le trajet à l'envers. Moi, je me suis dit donc, ben, on reste dans le train, vu qu'il y en a un pour le retour, c'est bon, c'est pas grave si j'arrive tard, tant pis quoi, mais au moins je peux rentrer chez moi. Et là, au bout d'une heure, peut-être un peu plus, le train il part à l'envers. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, alors au début ils avaient dit qu'une heure d'arrêt, que ça marquerait une heure d'arrêt à cause d'un problème d'aiguillage. Et après le train il part à l'envers, tu vois, alors il rebrouche chemin. Et puis ils disent dans le micro encore, oui, les travaux ne sont pas finis. Et on monte, voilà, donc à Avignon. Et de Avignon, on va passer, voilà, passer par, donc, tu vois, ça remontait comme ça, pour partir par là, tu vois, vers Avignon, tu vois, via Cavaillon, et Salon de Provence, et machin, et Miramas, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était, c'était abusé, là, tu vois ce que je veux dire, donc, du coup, Avignon, ben, on a pris un train avec mon fils, et puis... Et puis là, bah,
On va se lever à 6h du matin, demain matin, je l'amènerai à l'école. Voilà, on se lève à 6h du matin, on prend un train à 7h et quelques. Ça nous fait arriver à 8h. Et voilà quoi, puis voilà quoi, après il assaut. L'école qui ouvre à 8h30. Donc voilà, avec la SNCF, bah, tout est possible, quoi, de galérer, quoi, tu vois. C'est galère, hein. Il y a des gens qui allaient jusqu'à Marseille pour prendre un train pour Lyon, d'autres pour Paris, et puis il n'y a pas. Qui passe par Avignon. Là, c'est la galère, la misère, SNCF, en plus ils nous font casser les bonbons avec leur Covid-19, là, tu vois. Alors, excusez-moi, je me bouche, hein, parce que j'ai... Voilà. Et le pire, c'est que là, tu vois, j'ai un petit rhume de rien du tout, parce que je me suis refroidi avec la pluie. Mais je sais que dans 2 jours, j'ai plus rien. Mais le truc, c'est que si tu te fais tester, le simple rhume, c'est un Covid-19. C'est, enfin, pas un Covid-19, c'est un coronavirus. La simple grippe, c'est un coronavirus. L'angine, c'est un coronavirus. Tu vois? Donc si jamais on me testait, là, le coton-tige de 20 cm, là... Ben, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, sur ce, je vous dis one love, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et là, la prochaine vidéo, ce sera sur les masques, là. Je suis en train de faire un petit montage. Et, enfin, plutôt sur cette mascarade. Et moi, je vous dis one love, et à très bientôt.